Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Guillaume Musso. Le jour de sa naissance à Antibes, en 1977, Guillaume Musso n'avait sans doute pas l'idée de devenir l'un des meilleurs écrivains de la planète. Très jeune, il se prend de passion pour la littérature. Aujourd'hui, il est l'auteur de plusieurs best-sellers. Ses livres se vendent dans des millions d'exemplaires dans les quatre coins du monde et ont été traduits dans des dizaines de langues. Sans aucun doute, Guillaume Musso est un des auteurs les plus connus en France et partout dans le monde. Très jeune, Musso consacre une grande partie de son temps libre à la lecture de bouquins. Grâce à un concours de nouvelles, il découvre le monde de l'écriture. À compter de ce jour, et jusqu'à aujourd'hui, sa plume ne cesse de nous faire plaisir. À noter que l'écrivain français est diplômé de sciences économiques. Publié en 2001, Skidamarink, le premier roman de Musso, n'a pas attiré les amoureux de la littérature. Ce n'est qu'après la publication de son deuxième roman, et après, que Musso est devenu assez connu en France, et puis dans les quatre coins du blog. Les livres de Guillaume Musso sont riches, avec notamment La vie est un roman, La vie des écrivains, La jeune fille et la nuit, Un appartement à Paris, La fille de Brooklyn, L'instant présent, Central Park. 7 ans après, L'appel de l'ange, La fille de papier, Que serais-je sans toi, Je reviens te chercher, Parce que je t'aime, Seras-tu là, Sauve-moi et après. Rappelons que quelques bouquins de Guillaume Musso ont été adaptés au cinéma, notamment et après. Les livres de Guillaume Musso connaissent un énorme succès dans le monde. Ils ont été adaptés au cinéma. En France, chaque roman de cet écrivain est un événement très attendu par ses fans et les amoureux de la littérature. Ces livres, si au moins un est à recommander, ne déçoivent absolument personne. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très probablement son article associé sur le blog. Le lien est dans la description en dessous. Aussi, si tu veux aller beaucoup plus loin, tu peux découvrir la vidéo sous la flèche bleue ou t'abonner dès maintenant sous la flèche rouge. À bientôt !